On va avoir un problème. Elle passe du temps avec son chien, son mari, moi aussi. Quand je pense à l'étape suivante, j'ai envie de crever. 20 minutes, morning pilates. Mais pourquoi j'ai pas essayé avant? J'ai vraiment une passion pour les fruits rouges. Mais qu'est-ce que ça coûte cher? Highlighter, un peu de poudre, sourcils, bronzer sur les paupières, mascara. Je peux pas dire que je suis fan, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai la flemme de changer de tenue. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous suis la morning routine de Hailey Bieber. On la connaît, c'est une mannequin mariée à Justin Bieber. Blablabla. Et Hailey Bieber, elle se réveille à 7h15. Il est 7h20. Je viens littéralement de passer la pire nuit du monde. Beaucoup trop chaud. J'arrivais pas à dormir. Je me suis couchée super tard parce que j'ai travaillé. Enfin, une nuit atroce. Enfin bref, Hailey Bieber, figurez-vous que le matin, déjà, elle le dit, c'est son téléphone, c'est interdit. Elle essaye de pas aller dessus. Donc on va essayer de faire la même chose parce que moi j'ai la mauvaise habitude d'y aller dès le réveil. Tous les matins, sans exception. Elle ne quitte jamais sa maison sans avoir fait ces trois choses. Elle va direct se brosser les dents. Genre elle sort du lit, elle se brosse les dents. Elle se lave le visage et elle boit son café. Donc écoutez, allons-y. Me souvenir que je rêvais de ma morning routine. Que genre je disais aux gens, ouais, ce matin j'ai tourné une morning routine. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. J'ai oublié une étape importante, faire son lit. Elle ne sort pas chez elle sans avoir bu son café. Sauf que on va avoir un problème. Je n'ai pas de café chez moi. Donc je me suis dit, et de toute manière je ne bois pas de café, on va faire un matcha. Chacun son truc pour donner de l'énergie. Est-ce que je vous montrerai pas comment on fait du matcha? Vite fait. Première étape, on prend un peu de matcha, un peu d'eau. Vous prenez votre fouet à matcha. D'ailleurs moi tout vient de chez Anatai Matcha. Et on fouette. Ça sent tellement bon. Une fois que c'est bon, vous mettez ça dans votre tasse et vous ajoutez votre lait. Vous pouvez évidemment faire chauffer tout ça, hein, mais moi j'ai pas envie étant donné qu'il fait 500 degrés. Et j'ai pas de glaçons et c'est pas plus mal parce que c'est pas bon pour le ventre. Comme ça. Tadam. Moutons notre petit matcha. Oui, tellement bon. Et elle dit que vraiment le matin c'est son moment de détente. Genre elle veut penser à rien. Elle veut pas de son téléphone. Elle passe du temps avec son chien, son mari, moi aussi. Comme ça elle peut penser un petit peu à sa journée. Elle est très détente le matin. J'ai pas trop l'habitude j'avoue. Mais bon, c'est ma future vie car j'en ai parlé déjà quelques fois un petit peu. Mais au mois de septembre on va se motiver les gars. On va vraiment se motiver ensemble. Je vais vous faire un contenu. Vous allez avoir envie de vous lever à 6h du mat. Faites moi confiance. Et j'ai de la chance parce que Hailey Bieber elle se lève à 7h10, 7h15 le matin. Alors qu'il y en a d'autres c'est 5h, 5h30, 6h. Comme j'avais fait pour Kim Kardashian c'était 6h je crois. Et aujourd'hui là j'aurais pas assumé. Le ciel est bleu, ça me donne envie de sortir. Vous avez vu mes petites tasses à matcha quand elles sont belles? Je les ai achetées sur la Redoute, elles sont trop belles. Quand je pense à l'étape suivante, j'ai envie de crever. En fait là je me rends compte que je suis vraiment KO. Hailey Bieber fait son sport le matin. Et j'avais noté, bah attendez, je vais juste prendre mon ordinateur parce que là mon cerveau il est un peu désactivé. Bien évidemment tout est noté et je ne veux rien oublier pour cette vidéo. Elle fait beaucoup de pilates, de la boxe, elle fait beaucoup de stretching et elle fait pas mal de cardio également. Et c'est assez marrant parce que je n'ai jamais testé ça de ma vie. Et pourtant toute la terre en parle. Le pilates. Je ne sais même pas ce qu'on fait quand on fait du pilates. Et bah je me suis dit on va tester ça. Je vais regarder s'il y a des cours de pilates sur YouTube. Je termine mon matcha et nous allons faire notre cours de pilates. Pilates. Mincir avec le pilates. Non merci. Pilates pour maigrir. Oula mais on se calme. Je vais juste faire du pilates. Je vais mettre pilates 20 minutes. Ok, je mets une vidéo de Move with Nicole. 20 minutes, morning pilates, full body. Parfait, parfait Nicole. Oh mon dieu, il faut qu'on parle. Mais pourquoi j'ai pas essayé avant? Si jamais vous avez jamais essayé le pilates, en tout cas j'ai fait une séance, peut-être que c'était la personne qui vous disait que c'était trop bien. Mais c'était trop bien. En fait, c'est un mélange entre des étirements, un peu de yoga et un peu de sport. C'est parfait, mais je suis choquée. Je valide complètement. Bon, avant de se doucher, on va faire ce que j'aime trop, manger. Et ce que j'aime encore plus, manger sainement. Alors, Hailey Bieber, qu'est-ce qu'elle prend pour le petit déjeuner? Il y a trois options. Soit des œufs, soit
soit un protein shake ou un smoothie, soit un porridge, vous savez, un bol de fruits, blablabla. Il faut savoir un truc, c'est que si tu es mannequin à Los Angeles ou à New York ou une célébrité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres options que ces trois choses. Genre vraiment, vous savez, j'ai fait plein de 24 heures, je mange comme telle personne. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout le monde mange la même chose. Donc ça me fait rire. Donc je vais me faire un bowl. Alors souvent, ce qu'elles font, c'est soit des porridge avec du lait, des flocons d'avoine. Sauf que là, j'ai quelque chose que j'ai trop envie de tester. Je sais pas si vous suivez Anna RVR. Et elle avait fait une collaboration avec Skyr. Et je n'ai jamais goûté ça. C'est genre des yaourts faibles en matière grasse. Et l'autre jour, je faisais des courses. Et j'ai vu ça et je me suis dit, oh bah, j'ai trop envie de goûter parce qu'elle en parle grave souvent. Et du coup, je me dis, on peut faire ça avec des petits fruits. J'ai acheté des mûres. Let's go. Un Skyr à la framboise. J'ai jamais goûté. Il y en avait deux, mais c'est pas moi qui mangeais l'autre. Mes petites mûres. J'ai vraiment une passion pour les fruits rouges. Mais qu'est-ce que ça coûte cher quand on met le matin dans tes trucs, tu comptes ton argent. Et voilà. On va essayer, voir si c'est bon. C'est tellement épais. En vrai, ça a le goût de fromage blanc. Mais c'est bien parce que c'est protéiné. Donc là, c'est parfait après le sport. Et je vais regarder une petite vidéo. J'ai terminé. Direction la douche. Je suis sortie de la douche. C'est l'heure du maquillage. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que je sais qu'elle fait plein de vidéos sur Vogue, etc., bah suivre un de ses make-up. On va pas non plus suivre tout étape par étape, mais on va regarder ce qu'elle fait quand même un peu bah, d'habitude. Ok, elle se protège du soleil, déjà ça c'est vraiment son truc, genre elle le dit tout le temps. Et moi aussi j'adore. En gros elle fait correcteur, blush, crème qu'elle remonte un petit peu au niveau du nez, bronzer crème, highlighter, un peu de poudre, sourcils, bronzer sur les paupières, mascara, rouge à lèvres. Et c'est bon. Ma petite huile pour le visage, Sunday Riley. Crème solaire. Un peu de correcteur. Alors moi j'applique un petit peu de orange avant pour éviter que ça grise. Sourcils, mon petit crayon Benefit que j'aime trop maintenant, la teinte c'est la numéro 4. Je suis toujours en cette tenue quand je maquille, je viens de me rendre compte. Toutes les vidéos j'ai cette tenue, vous allez vous dire que je me change pas. Mais c'est trop bien, genre c'est comme mon petit peignoir quoi. Blush en crème. Highlighter, Charlotte Tilbury, mon préféré du monde entier, incroyable. J'ai trop envie de m'acheter les blushs dans le même format. Juste ultra sale, vous voyez, le truc qui est toujours sale, c'est un peu énervant. Mais vu qu'il est trop bien, c'est pas très grave. Ça fait vraiment le glow, voilà, bon voilà, j'en dis pas plus, vous avez vu. Un peu de bronzer Chanel. Ensuite elle prend un peu son bronzer avec son doigt et elle en met sur sa paupière. Un peu de mascara. Et un peu de rouge à lèvres, enfin un truc très léger, juste un peu rose. Je vais mettre un baume à lèvres de chez Benefit, la teinte c'est Berry. J'adore, mais vraiment j'adore. J'en mets pas beaucoup, mais je trouve que ça fait vraiment juste ce qu'il faut. Regardez ça à la lumière du jour, comme d'habitude. Et voilà, petit maquillage simple et rapide. Ok, maintenant, il faut que je trouve une tenue. Mais alors, qu'est-ce que je vais mettre? Déjà, quelle température il fait? 24 degrés? Wouh! Ah si, je sais ce que je vais mettre. Ouais, un truc tout simple, mais en vrai, ce petit haut avec un petit pantalon beige. On va essayer, je suis pas certaine là de ce que je suis en train de dire. Je vais me changer de suite. Et voilà, je peux pas dire que je suis fan, mais ce que je peux dire c'est que j'ai la flemme de changer de tenue. Petit pantalon naked. Vous savez que ces pantalons là je les mets tout le temps, je les mets en noir et en beige, trop beau. Et un petit haut comme ça, Nasty Gal. Écoutez, ça fait l'affaire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je valide la petite morning routine détente, très détente, comparée à celle de Kim Kardashian qui était vraiment... Je vais courir, je fais mes abdos, je me tape 2 heures de maquillage, je fais ci, je fais ça. Là, on se réveille à 7h15, j'aime bien. Donc plutôt pas mal, juste il y a un truc, d'ailleurs je vous l'ai pas dit tout à l'heure, que je ne comprends pas. C'est qu'elle se lave le visage au réveil et elle fait du sport ensuite. Parce qu'elle va pas se laver le visage 30 fois le matin. Donc genre quand elle fait du sport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave pas le visage après? Elle se maquille? Je sais pas. C'est bête, mais je me suis dit que c'était bizarre. Sinon même l'ordre des choses, je trouve ça assez cool. Franchement j'ai trop aimé ce matin, j'ai passé une très bonne petite matinée. Je suis détendue, j'ai envie de bien travailler pour aujourd'hui. Je valide, merci Hailey Bieber pour cette morning routine. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je savais plus ce que je devais dire. Si jamais ça vous intéresse, je suis présente tous les jours, on peut discuter là-bas et c'est aussi très très cool. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, je poste deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.